Toute l'actualité de la ville de Fontaine, c'est comme chaque semaine dans Fontaine, l'édition citoyenne. Temps fort de la démocratie participative à Fontaine, le conseil municipal jeune a tenu sa toute première séance avec de jeunes élus très investis dans leur mission. Et puis bien-être sous toutes les formes, le Vogue, la médiathèque et la Source ont partagé une après-midi relaxante. Enfin, on passera en revue les bons plans sortis dans l'agenda de la semaine. Il n'est jamais trop tôt pour apprendre la citoyenneté, ni même pour siéger au conseil municipal de la ville de Fontaine. Une trentaine de jeunes fontainois ont pris place dans cette nouvelle instance, tout comme les grands, les enfants de chaque groupe scolaire, ainsi que des collèges Gérard Philippe et Jules Vallès, ont dû rédiger leur profession de foi, se présenter devant leurs camarades avant de passer par les urnes. Retour sur leur première séance. Aujourd'hui, il y avait le conseil municipal jeune et moi, je fais partie de la commission partage et solidarité. J'ai encouragé surtout le projet adapter les parcs aux personnes handicapées. C'est pas difficile de prendre la parole devant tout le monde? Si, au début, ça a été un peu difficile, mais après, ça allait mieux. Et idem, Brick. Comment ils ont accueilli cette idée-là? Est-ce qu'ils avaient une idée déjà de ce que c'était un conseil municipal? Au tout début, non. Forcément, mais après présentation, je pense que ça a permis de leur voir, enfin, ça leur a permis d'y voir plus clair et de proposer des projets. De nombreux projets ont été proposés. Là, sur les 32 élus jeunes que comporte le conseil municipal jeune, c'est en tout plus de 120 projets qui ont été proposés quand même, avec plus d'une centaine de candidats aussi, surtout aux établissements scolaires. Donc un fort investissement des jeunes sur ces projets. Depuis le début de ce mandat, c'est vrai qu'il y avait une vraie volonté politique d'avoir à Fontaine un conseil municipal jeune. C'est arrivé, c'est aujourd'hui. Première impression, déjà quand j'ai vu les programmes des enfants, j'ai été vraiment très séduite avec des positionnements, avec des questionnements tels que la solidarité, les plus démunis. Ils parlent beaucoup d'intergénération aussi. Et vraiment, moi, j'ai été assez bluffée par leurs propositions. Et par exemple, là, qui est en train de se voter, d'éteindre les éclairages publics une heure par jour. Ou alors un projet de rendre accessibles tous les parcs et de faire des jeux pour enfants porteurs de handicap. Là aussi, je suis assez bluffée par ces propositions. Et j'ai hâte de travailler avec les enfants pour qu'ils voient aboutir leurs projets. Alors, prochaine étape, chaque commission va se réunir deux fois d'ici les vacances de février, donc début 2018. Là, on va laisser partir en vacances, profiter des fêtes de fin d'année. Et dès le mois de janvier 2018, les premières réunions vont reprendre. Élu pour deux ans, ce conseil municipal jeune dispose même d'un petit budget alloué à la réalisation de ses propositions. 6 000 euros par an pour voir peut-être sortir de terre tout un tas de beaux projets. Aujourd'hui, en fait, c'est une après-midi, on se détend à la source. Donc, il y a la possibilité de dessiner à plusieurs sur une grande fresque sur le thème du bien-être. Qu'est-ce qui nous fait du bien? Qu'est-ce qui fait qu'on se sent bien? Et puis, la possibilité aussi de lire et de dessiner dans cet espace qu'on a voulu agréable et détendu donc dans le hall de la source. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a des concerts donc, dans l'auditorium et en même temps, on propose aux enfants et aux adultes de venir faire une fresque géante qu'on accrochera à la médiathèque samedi matin et on la vernira à ce moment-là. Le but de cet après-midi, c'était de dessiner en écoutant de la musique et de permettre aux élèves de l'école de musique de se produire, mais dans une autre configuration qu'une audition classique. L'auditorium était ouvert à tous et les enfants n'étaient pas forcément, le public n'était pas forcément assis dans l'auditorium, mais pouvait dessiner et était également sur scène. Thank you.
c'est un thème évidemment hyper large. Donc, du coup, il y a des livres sur la musique, forcément, sur l'art aussi. Et puis, sur voilà, y a des livres qui font rire, des revues pour voyager, enfin, tout ce qui peut faire du bien. Le thème était vraiment le bien-être, autant pour les musiciens que pour les dessinateurs et aussi pour les lecteurs qui sont installés ici. C'est important de mélanger les publics et de mélanger aussi les techniques parce que la musique et les arts plastiques, c'est pas si éloigné. Il y a beaucoup d'artistes qui font de la musique et vice-versa. Et c'est aussi important de mélanger ça avec la lecture parce que l'un ne va pas sans l'autre. En fait, les trois vont ensemble. C'est pas trois mondes étanches, donc c'est important de les mélanger pour montrer qu'ils sont complémentaires. On aime bien travailler en transversalité parce qu'on trouve qu'il y a vraiment un lien, comme je vous le disais, entre l'art plastique, la lecture et la musique. Et puis ça nous permet aussi de croiser un peu nos publics et de faire en sorte que les gens s'approprient vraiment les équipements culturels de la ville de Fontaine. Il y a cette idée d'emmener un public qui fréquente la médiathèque, qui ne vient pas forcément à la source, de l'emmener ici, de lui faire découvrir un nouvel équipement et puis de rendre visible du coup ce lien. Oh merci, c'est trop mignon. De rendre visible ce lien en fait entre la lecture, la musique, les arts plastiques. Voilà, donc en étant ensemble dans les différents équipements, avec le public, oui, qu'on essaye de faire naviguer d'un lieu à l'autre. Avant les vacances de Noël, La Source vous propose un dernier concert, celui de Peter Von Paul et Scampi pour une soirée pop, folk et trip-hop. Le chanteur présentera son quatrième album, pop et psychédélique. Scampi vous fera voyager dans un univers planant et captivant avec des sonorités organiques. C'est à 20h30 jeudi 21 décembre à La Source. Le Père Noël sera en exclusivité à Fontaine le 23 décembre avant de partir faire sa tournée de cadeaux. Il sera avec sa calèche de 10h à midi au marché Marcel Cachin et de 14h à 17h dans les quartiers Bastille, Louis Maisonnard et Saveuil. La ludothèque Espace 3 Pommes vous attend dès 20h vendredi 12 janvier pour une soirée jeux réservée aux adultes. Parmi ces jeux de société, des grands classiques mais aussi des nouveautés ou même des créations locales. Venez vous affronter et vous détendre, l'entrée y est gratuite. Enfin, mardi 9 janvier, venez faire réparer vos objets, petits électroménagers, outillages luminaires ou encore outils numériques. À vos côtés, des bénévoles essaieront de vous aider à réparer vos objets en panne. Donnez-leur une seconde vie pour 4 euros, une somme qui vous sera restituée si la réparation n'est pas réussie. Rendez-vous au centre social Georges Sand de 14h à 18h. Et on se quitte avec la photo de la semaine. Le 14 décembre avait lieu la cérémonie des médaillés du travail fontainois réunissant les promotions de 2016 et 2017. Plus de 150 médaillés étaient invités à Laine-Montvigne. L'occasion pour la municipalité de souligner l'importance de l'activité professionnelle, de valoriser la contribution des médaillés à la vie économique fontainoise ainsi que d'encourager leur investissement professionnel. Félicitations aux médaillés pour leurs 20, 30, 35 et 40 ans d'ancienneté professionnels. Bonne semaine à tous.